Bonjour et bienvenue les collecteurs. Aujourd'hui, je vous présente une pièce très rare de 5 francs signée Lavrillier. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Vous le savez, c'est très important pour l'évolution de la chaîne. Je vous dis merci par avance, c'est parti. Aujourd'hui, on découvre donc la pièce de 5 francs Lavrillier nickel 1939, une pièce dont le poids est de 12,13 grammes, le diamètre de 31,08 mm, le métal c'est du nickel, la tranche de la monnaie est lisse, le graveur c'est Lavrillier et le degré de rareté de cette monnaie est du R3. La monnaie a été frappée à 157 700 exemplaires. Mais le chiffre de fabrication n'a aucun rapport avec la rareté réelle de cette monnaie. Sur l'avers, on retrouve la tête laurée de la République aux cheveux longs, de profil gauche. En dessous, on retrouve la signature A. Lavrillier le long du listel. Et de part et d'autre du portrait, on retrouve la légende République française. Sur le revers, on retrouve au centre la valeur en deux lignes, 5 francs. En dessous, le millésime 1939, encadré des différents. Le tout dans une couronne de laurier ornée de 7 bagues. Et au-dessus, on retrouve les initiales RF pour République française. Comme je vous disais précédemment, le chiffre de fabrication est sans rapport avec la rareté réelle de cette monnaie. Ainsi, la cote d'une pièce en état TTB est de 4 800 euros. Elle est de 7 500 euros en état sup, 10 000 euros en état splendide et 15 000 euros en état fleur de coin. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Je vous dis à bientôt sur Monnaie Collector et je vous souhaite une très bonne journée.